votre avis, c'est quoi la prochaine photo? Hein? J'ignore qui courait dans un sac. Gagné! C'était l'année dernière. Tous les villageois s'étaient rassemblés pour fêter le début des vendanges. Je me souviens, oui. Nous avions passé une superbe journée. Ouais, mais à cause des deux aigles, on n'avait pas rigolé longtemps. Ah oui, c'est vrai, les aigles, je me rappelle. Ils étaient énormes. Deux énormes aigles. Avec des serres plus grosses que des câbles et plus pointues que des épines. Ils avançaient vers nous, les ailes déployées. Oh, arrête, Miss Toufflet, tu vas leur faire peur. Tu sais, papa, des fois j'en fais des cauchemars. Eh ben voilà, on va être bien, là. C'est le pied, ici. Hé, Kyria, viens par là, c'est du premier choix. Résus, quelle idée démente d'avoir changé de pays! Je sens qu'on va bien s'amuser! Tout est pour toi, ma louloute. D'abord une bonne cure de vitamines, ensuite... On se trouve un cours sur pattes, c'est tellement bon! C'est pas la chair fraîche qui manquera par ici. Tout est à nous! Pour toi, ma louloute! Allez, tiens, prends cette grappe. Oh, le bon jus de raisin. J'adore le... Oh, c'est quoi ce raffut? Oh, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Encore une grappe, mon gros loulou. Tiens, attrape celle-là. Voilà, bandade. Sors d'ici tout de suite. C'est une propriété privée. Tiens, tiens. On dirait que la cour sur pattes peut faire la fête avec nous. Bonsoir. Écoutez, madame. Oui. Partez d'ici, s'il vous plaît. Primo, c'est mademoiselle. Deux yeux, on t'a pas sonné. Et attention, on n'a pas recevoir de personne. Je vais appeler du renfort. Méfiez-vous. Mais t'as pas encore pigé. On est ici chez nous, maintenant. Chez nous! Fais passer le message à tous les cours sur pattes. Mais enfin! Allez, mon Régis! Vire le cul! Non! Non! Ah non! Suis-moi, ma louloute. Ce pecno a certainement des provisions dans sa bicoque. T'es le plus fort, mon Résus. Pour nos premières vendanges, on va tout ramasser. Grappes et grappillons, avec nous pas quartier. Toutes ces bonnes vivagées. J'aime bien les raisins. On vient pas ici pour manger, mais pour aider Vianney à vendanger. Si on coupe pas les grappes aujourd'hui, elles vont pourrir et puis... Oh non! Bah, c'est tout cassé! Mais qui a osé faire ça? Papa, tous les pieds sont détruits. Regarde! Ça perd, les popettes. Vianney a travaillé dur pour faire pousser ce raisin et tout son labeur réduit en miettes. On dirait que quelqu'un nous espionne. Oh. À moi! Qu'est-ce que c'est? Au secours! Oh. 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 Mais... Oh, je n'ai rien pu faire, Onésime! Rien! Et lorsque le mal, Résus, je crois, m'a emporté, il a été très clair. Ce territoire est le leur maintenant, et personne ne pourra rien y changer. Ne te fatigue pas, Vianney.
J'en ai assez entendu. Ce sont des monstres. C'est dégoûtant de s'installer comme ça chez les gens. Ouais, et c'est pas poli. Ça ne sert à rien de s'énerver. Je préfère que vous veilliez sur Vianney jusqu'à mon retour. Bien sûr, papa, tu peux compter sur nous. Mais où tu vas? Prévenir les villageois. Si effectivement les aigles s'installent aux RL, nous devrons rapidement trouver une solution. Mais enfin, Onésime, nous ne faisons pas le poids contre eux. Ils sont trop dangereux. Nous ne pouvons pas capituler sans avoir tenté quelque chose. Regroupons-nous. À plusieurs, nous pourrons contre-attaquer. Hors de question. Les aigles ne feront qu'une bouchée de nous. Ils sont énormes. J'ai peur, Onésime. Pour moi et mes enfants, je ne veux pas leur faire courir de risques. Moi non plus. Et je vous trouve bien inconscient de vouloir nous jeter ainsi dans la gueule du loup. Du calme, mes amis. Je crois qu'il est temps de clore le débat. Voici ce que je propose. Mais ne pourrait-on pas... Je crois que nous n'avons pas le choix. Heureusement que le docteur a pu rester auprès de Vianney. Il était très fatigué quand nous sommes partis. Si je tenais ces satanés aigles, je les écrabouillerais. T'inquiète pas, sœurette. Papa et les villageois vont les faire déguerpir rapido. Alors comme ça, il faut s'en aller. Oh, es-tu sûr que c'est la bonne décision? C'est en tout cas celle que Magog a proposée. Tous ceux qui désirent fuir vont plier bagage dès demain. Les autres ont quelques jours pour trouver un moyen de lutter contre les aigles. Les autres? C'est-à-dire toi et Papillon? Que pouvez-vous faire à deux? Papa! Hein? Non! Je veux pas partir d'ici, papa! Oh non! Sapeur des clopettes, rien n'est encore joué. Peut-être que demain, les villageois auront changé d'avis et proposeront une autre solution. Si tous nos amis s'en vont, la prairie va se vider, papa. Oh non, c'est triste, trop triste et tellement injuste. J'espère que Vianney va mieux aujourd'hui. Ça doit être bon, les légumes, là. Pas touche, dent de lion. C'est pas pour toi, c'est pour Vianney. Zinia nous a dit de rien toucher. Et alors, t'as entendu? C'est pas pour toi. Il est coquin, celui-là, alors. Regardez, les junipères quittent déjà la prairie. Alors c'est sûr, tout le monde va partir. Bah mince alors, les bouées nous ont même pas dit au revoir. Dépêchez-vous un peu, Vianney doit s'ennuyer tout seul chez lui. Ça alors? Le raisin pousse aussi dans la forêt? Il y en a beaucoup en plus! Oh! Au secours! Aidez-moi! Hein? Agathe! Bouge pas! On va te sortir de là! Je tiens! Retenez ces troncs! Encore un coup tordu des aigles. C'est évident. Il y a encore du boulot. Faut revoir le mécanisme. C'est vrai qu'il est un peu trop sensible, ce mécanisme. Dites donc, c'est vous qui avez installé ça? Vous êtes ma boule ou quoi? Agaric aurait pu se faire très mal. Allez les gars, faut tout remettre en place. Poussez-vous les grandes oreilles, pas le temps de discutailler. On a des aigles à attraper, nous. Les grandes oreilles? Tu t'es vu, toi? T'as les dents tellement longues que tu vas bientôt marcher dessus. Si vous croyez capturer les aigles avec ce piège idiot, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il est génial, au contraire. Regardez, les aigles raffolent du raisin et vont donc le ramasser. Comme ces satanés volatiles sont costauds, on a prévu des ressorts dans le trou. Du coup, ils vont se cogner la tête contre les troncs et bang, capoute les aigles. Ingénieux, non? Débile, oui. Jamais vous n'attraperez les aigles avec ce truc. Et alors?
On tente quelque chose, nous. On perd pas notre temps à blablater, nous. On quittera pas notre lac sans se battre, nous. On n'est pas des peureux, nous. Nous non plus. Ouais, et notre papa, il est plus fort que tous les castors du monde. Venez, on n'a pas de temps à perdre avec ces rigolos. Quelle toupée de nous faire la morale, pas nous. Oh, mais pour qui ils se prennent? Ah, les menteurs. Et le crocro, il m'a énervé, celui-là. C'est rien que des méchants. C'est vrai qu'ils sont pas très... ben, pas très gentils. Mais c'est pas des menteurs. Parce que... quand Crocro dit que les lapins s'en vont sans se battre, c'est la vérité. Personne ne fait rien pour l'instant. Peut-être que les villageois sont peureux, mais pas tous. Moi, par exemple, si on me demandait mon avis, eh bien, j'irais me battre contre les aigles. Ouais, j'irais. Moi non plus, je suis pas un preureux. Et moi, encore moins. Alors on va leur montrer à ces volatiles de malheur de quoi on est capable. Faut juste qu'on trouve un plan. Maleloute, t'es belle comme la pleine lune, comme un bon gros légume, comme un oiseau à plumes. On est tous seuls à se fendre la poire. On est peinards ici, mon gros loulou. On peut même faire trempette. J'ai le paradis, quoi. Hey, on peut plus faire la fiesta tranquille maintenant. Génial, notre plan. Allez, c'est toi qui voulais parler, alors vas-y maintenant. T'as rien à craindre. Regarde, on est là pour te défendre. Bon, alors tu te bouges, on va pas se laisser faire quand même. T'as raison, ma loulou. Bon, j'y vais. Écoutez, vous êtes cernés. Alors, montre-toi si tu l'oses. On est des centaines à vous encercler, alors partez tout de suite. Partir? Mais on est chez nous ici. C'est pas vrai. Fichez le camp, on vous dit. Sinon, Tiens. D'accord, vous êtes vraiment trop forts. On se rend, Galerie. T'as vu ça, Régis? Des centaines qui disaient oulala, j'ai peur. Si on s'en allait maintenant? Écoutez, les cours sur pattes, je crois que vous avez pas saisi. Ce territoire nous appartient maintenant. Alors, c'est à vous de déguerpir. Allez voir ailleurs. Il y a plein d'endroits sympas à visiter, enfin. C'est ici et nulle part ailleurs. Alors, parez-vous, les mots. Touche pas à mon frère méchant rapace. Ouais, va-t'en d'ici. Ici, je peux pas. Alors, on fait plus le malin. T'inquiète, mon gros loulou, je suis là. Et après, c'était quoi notre plan? Mon père. Oh zut, ils ont filé. Laisse tomber, c'est des minus. Avec la trouille qu'on leur a fichée, on n'est pas près de les revoir. On va se manger une petite grappe, hein, ma loulou. Bonne idée, mon loulou. C'est bon, ils sont partis. Ça va pas bien de vous jeter comme ça dans la gueule du loup. Vous êtes des inconscients. Moi j'ai dit, notre plan il n'était pas parfait, mais il y avait de bonnes idées. Heureusement qu'il reste votre piège. Si vous le peaufinez bien, zip boum, vous pouvez les écrabouiller, les aplatir comme... C'est tombé. On l'a déjà testé. C'est pas très réussi. Alors, c'est fini. Les aigles ont gagné. Ça veut dire qu'on va partir aussi? Qu'on va dire au revoir aux aigles? Non, petit. Tant qu'on sera debout, la partie ne sera pas jouée. Et foi de castor, puisque vous voulez aussi vous battre, alors on peut s'associer. C'est évident.
À plusieurs, on est toujours plus fort. Bien dit. Ensemble, on pourra faire déguerpir ces monstres à plumes. Monstres ? Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver un adversaire encore plus monstrueux que les aigles. J'y ai cru jusqu'au bout, Zinnia. J'aurais tellement aimé trouver une autre solution. Je savais que Papilio finirait par baisser les bras. Mais comment lui en vouloir? Les aigles sont plus menaçants que jamais. Oh, je n'ai pas osé demander aux enfants de nous aider. Ils sont tellement abattus. La peinture bleue, la rouge, le compte y est. On a tout ce qu'il faut. Hein? Oh, c'est moi. Génial! Il a les tissus! J'aimais mieux! Mes parents sont partis installer nos meubles chez grand-père. Du coup, je peux vous prêter mon garage pour... Enfin, vous savez de quoi je veux parler. C'est super! On avait justement besoin d'une grande cachette et de renfort aussi. Ben, ça tombe bien, en parlant de renfort. Avec Pimprenelle, on a fait le tour de nos amis et figurez-vous qu'ils ont tous accepté de nous aider. Eux non plus ne veulent pas partir d'ici. Ils veulent se battre, comme nous. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler. Pirouette, dos de lion et Agaric, vous allez au lac rejoindre les autres. Mistouflet et moi, on va chez Pimprenelle chercher. Enfin, vous savez quoi? Bon alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai drôlement froid, moi. Attends, ma louloute, ça arrive. Oh, elles sont nulles, ces allumettes. Dépêche. Évidemment, je les ai piquées à un cours sur pattes. Parfait. Alors, c'est parti. Oui, on y va. Souhaitez-nous bonne chance. Papilio, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pimprenelle a disparu. J'ai entendu du bruit dans le jardin et quand je suis allé voir dans sa chambre, elle n'y était plus. Oh non, Onésime, les enfants ne sont pas là non plus. Emilio, quand on est allé le réveiller pour quitter la région, il avait disparu. Mais t'es nul ou quoi? Même un cours sur pattes arrivera à allumer ce feu. Ça prend, ma louloute. Youhou! Et qu'est-ce que t'as encore? Tu l'as, ton feu. C'est pas moi. Ça venait de là. Et alors, c'est quoi cette histoire? Il y a encore des courses sur pattes dans la région? Voici le monstre des Ah ouais, le monstre? Et moi, je suis la reine des asticots. Mon loulou, c'est qui celui-là? Il n'était pas prévu au programme. Des comptes de l'as à l'hérisson. Tu vas regretter ce que tu viens de faire. Oh, mon loulou, viens! On met les voiles! Jamais! Tu sais ce que j'en fais des monstres de ton espèce? De la chair fraîche! Oh, je vais
vais quand même pas me faire laminer par un poisson. Poisson. Laissez-nous. Qu'est-ce que c'était? Savez-vous? Oh, je n'en ai aucune idée. Saprelotte, mille carottes. Qu'est-ce que vous faites ici? On a gagné, papa. On a été très, très forts. Idée de le mettre ici. Comme ça, on ne l'oubliera jamais. Votre plan d'attaque était très dangereux, mais particulièrement ingénieux. Je suis fier de vous. Sans les castors, on n'aurait pas osé combattre les deux aigles. Ils avaient raison. Il ne faut jamais baisser les bras devant l'adversaire. C'est vrai, quoi. Il y a toujours un moyen. Même rocambolesque. Monstrueusement rocambolesque, tu veux dire. Hee hee.